Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. À la question que les disciples sont chargés de poser au Seigneur, Jésus répond « ni oui ni non, mais allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Allez annoncer. Jésus fait des disciples de Jean-Baptiste des témoins, des missionnaires. Allez annoncer. La réponse de Jésus est une réponse par l'action. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est sa réponse. Qui d'autre que le Messie peut guérir, libérer, ressusciter ? Oui, regardons les signes que pose Jésus. Cette attention aux plus pauvres, aux malades de notre humanité. Regardons les signes de libération que Jésus pose en acte. Tous manifestent une puissance d'amour et de vie. Jésus n'est pas un beau parleur. Sa parole ne rejoint pas le concert des discours sans effet de bon nombre de ses contemporains. Jésus agit, et agit pour les autres. Il fait du bien au corps et au cœur. Il redonne sens à une humanité blessée, bafouée, rejetée. Tout ce qu'il fait est une victoire sur la maladie, l'exclusion, la marginalisation, la mort même. On peut même affirmer qu'il accomplit une œuvre de création. Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu, dit Jésus. Les disciples de Jean pourront témoigner de cette bonne nouvelle à leur maître qui est en prison. Une bonne nouvelle déjà à l'œuvre par la vie de Jésus. Une bonne nouvelle qui va éclairer le cœur de Jean-Baptiste au cœur de la grisaille de sa geôle. Oui, contrairement aux apparences, le salut est bien là, qui offre au monde une espérance. Frères et sœurs, soyons de ces prophètes que le monde attend, de ces femmes, ces hommes qui recouvrent la vue et savent observer dans le monde d'aujourd'hui la présence de celui qui vient. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.